Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vu le nombre impressionnant de messages que je reçois au sujet de la magie ou du mauvais œil ou l'hasad, donc l'envie, la jalousie, beaucoup de femmes m'écrivent et voilà, m'expliquent qu'ils soupçonnent que des gens leur ont fait du mal en leur jetant un sort ou ils souffrent de mauvais œil ou ce genre de choses. Du coup, il y a de la perturbation, il y a des disputes en permanence au sein de leur foyer, que ça soit entre la femme et son homme, ou que ça soit entre les enfants et leurs parents, ou entre les enfants entre eux-mêmes. Du coup, alors, premier conseil à vous donner, c'est de vous remettre en question et de corriger votre propre comportement avant de remettre la cause sur les autres. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, c'est de consulter l'avis d'un professionnel, un psychologue ou un thérapeute. Et troisième chose, si vraiment ça ne fonctionne pas, alors je vais partager avec vous une recette qui est très très efficace et l'effet normalement il est immédiat, d'accord? Vous pratiquez ça ou bien vous l'appliquez pendant 7 jours, je suis sûre et certaine que le tout partira Inch'Allah. Alors, pour nettoyer votre intérieur, votre maison ou votre bureau, en tout cas l'endroit où il y a beaucoup de disputes et de mauvaises ententes entre les membres concernés, eh bien vous allez prendre tout simplement les feuilles de laurier, waraq sidr, waraq al-ghar, ce qu'on appelle waraq sidna moussa en marocain, donc des feuilles de laurier qu'on utilise dans la cuisine d'ailleurs, hein, c'est les feuilles de laurier, ils ont l'effet de purifier la nourriture. Des fois quand on cuisine certains repas lourds ou quand on mélange certains ingrédients, ça permet d'absorber les gaz ou ça permet d'absorber certaines compositions qui peuvent nuire à la digestion. Bref, le laurier ou les feuilles de sauge, mais moi je préfère le laurier, est très connu pour absorber les énergies négatives et purifier l'air. Alors vous allez prendre ces feuilles de laurier, prenez une bonne poignée, d'accord, vous la mettez dans un récipient qui va supporter le feu. Et donc avant de le brûler, vous allez lire dessus « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » 19 fois. Ensuite vous allez faire la prière ibrahimique, la prière sur le prophète ibrahimique 19 fois. Ensuite vous allez lire « Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, 195 fois. Donc ce sont les quatre premières lettres de Sourate Maryam. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, 195 fois. Ensuite, vous allez lire Sourate Zelzala, d'accord, 11 fois ou 7 fois, l'un ou l'autre, c'est pareil. Donc 11 fois, Sourate Zelzala. Et vous allez finir par la prière ibrahimique sur le prophète une seule fois. Donc je vous répète. Vous prenez une grosse poignée des feuilles de laurier, waraq al-ghar. Vous allez lire dessus al-basmala, bismillah ar-rahman ar-rahim, pour commencer 19 fois. La prière ibrahimique, celle avec laquelle on finit notre prière, donc 19 fois. Kaf, ha, ya, ayn, sad, les premières lettres de Sourate Maryam, 195 fois. Ensuite, vous allez lire Sourate al-zalzala, 11 fois. Et vous allez terminer par la prière sur le prophète une seule fois. D'accord? Vous allez lire ça, donc en approchant la poignée des feuilles de laurier à votre bouche. En fait, c'est pour remplir ces feuilles-là d'énergie nouranique, d'énergie de lumière à travers le courant. D'accord? Ensuite, vous allez brûler ça à l'intérieur de la pièce pour parfumer et faire diffuser la fumée dans toute la maison. Ça va permettre d'absorber toutes les énergies négatives, s'il y a de la magie, un sihr, s'il y a une jalousie, un mauvais œil, peu importe, parce que tout ça c'est lié à l'énergie. Donc ça va dissoudre et absorber toute cette énergie, et par la fumée qui va se dégager, donc vu que ces feuilles-là elles sont remplies par les lettres, et donc ces sourates du Coran, ça va permettre de purifier et de nettoyer tous les recoins de votre maison, pour faire dégager toute énergie négative si quelqu'un vous a fait quelque chose, d'accord? Et vous allez répéter ça pendant une semaine successive, 7 jours, d'accord? Je suis sûre et certaine que vous allez ressentir l'effet dès la première fois. Il y a également une condition, vous allez d'abord, avant de lire, ce que je vous recommande de faire, prenez le temps de lire ces sourates d'abord, de comprendre le sens et la signification, parce que ça va, donc en fonction de comment vous ressentez, d'accord, c'est sourate. Vous allez les lire soit en français, soit en arabe. Le plus important, c'est que ça résonne et ça vibre à l'intérieur de vous. Il faut que vous le compreniez, que vous le ressentez, vous y croyez,
Comme ça, votre vibration, donc les mots et les lettres qui vont sortir à travers votre bouche, ils vont être remplis et fortifiés par cette énergie et par votre voix et votre résonance, avec la foi et la conviction que ça va purifier tout votre intérieur et mettre un terme à toutes ces disputes et voilà, ces problèmes familiaux que vous avez à l'intérieur du foyer. Croyez-moi, c'est radical, c'est très efficace et également, prenez le temps de vous remettre en question, d'analyser votre comportement ou faire appel à des professionnels pour vous aider si jamais vous n'y arrivez pas tout seul. Testez, je suis sûre et certaine que vous trouverez, inch'Allah, une résolution à vos problèmes. Wassalamu alaikum.